Bienvenue à tous, madame, messieurs, dans ce journal. Traque des rebelles EDF par les forces armées de la République démocratique du Congo au sud d'Irumu. Les habitants de la chefferie des Wales à Vankoutou sont appelés à se désolidariser des ennemis qui ont deuil cette entité coutumière. C'est le message de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu lors d'une mission d'itinérance dans cette partie d'Irumu. Le colonel Siro Simba, administrateur militaire d'Irumu, était en mission d'itinérance notamment à Sokotano, Badimbese et Badanvilima, en chefferie de Wales Vokutu dans le territoire d'Irumu. Au cours des meetings populaires tenus sur place, l'administrateur militaire d'Irumu a, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, rassuré les fils et filles de cette partie de la province sur la détermination de l'administration militaire à pacifier totalement cette zone. Nous n'avons pas un mariage entre soldats et la population. Il nous faut privilégier les mariages civilo-militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les EDF, de l'autre côté, vous aussi, la population, vous devez vous désolidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les EDF en information, ni en médicaments, moins encore en nourriture pour faciliter l'armée. Comme ça, les communautés Les Mbuti et Nandé ont estimé nécessaire de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Ituri qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milieux abandonnés. La population joue pour regagner, mais on est abandonné. Il est arrivé, il y a l'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wales et Vankoutou nous console. Nous saluons le travail que bat l'AT d'Irumu dans notre chefferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire d'Irumu dans la chefferie de Wales et Vankoutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix mise en place par les gouverneurs militaires de l'Ituri après celle qui a sensibilisé dans la chefferie de Babou à Bokoué.